Salut amis de YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Planet Crafter. Alors là je me trouve à un endroit qui est en train de se transformer totalement. On voit qu'il y a des cascades. Les glaciers là sont en train de fondre. Donc cette zone est totalement en train de se transformer. Des rivières, des petites étendues d'eau qui sont en train de se créer. J'étais en exploration. Oh, ah bah tiens. Je tombe en plein sur un coffre. Parfait. Je voulais aller vers ces arches là-bas. Ah, d'accord. J'avais pas vu que ici je ne pouvais pas passer comme ça. Peut-être passer. Descendre ici. Ouais, on peut passer comme ça, parfait. Je suis en mode exploration de la carte pour voir tous les changements qui s'opèrent. Puis à l'occasion, je tomberai peut-être sur des choses intéressantes. Voilà, c'est le désert. Je suis derrière le vaisseau qui est pas très loin de ma base. Hein. On voit le morceau de glace là. Ça va disparaître. C'est en train de toute façon de disparaître. Ah, là, je suis bloqué, je peux pas y aller là. Là voilà, je sais pas si vous rappelez, mais ma petite construction, elle est là-bas derrière le vaisseau. Hein. Pas très très loin. Alors est-ce que tout ça... Oh. Oups. Donc je m'étais bloqué. Est-ce que tout ça, ça va se remplir d'eau ou pas? Quoi? Oh là, l'oxygène bas. Ça vite, hein, l'oxygène. Heureusement j'ai ma petite maison sur le dos comme les tortues. C'est bien pour l'exploration. Et si on dirait que c'est un endroit qui pourrait se remplir d'eau. Hein. Ah, encore un coffre. Je vais prendre ça, ça. La graine de l'Irma, le reste non. C'est vraiment sympa. Hein. Ces arches énormes là. Est-ce qu'on peut monter dessus? Je sais pas si je peux aller dessus. Un test. Ce serait rigolo ça de pouvoir... Ah, il y a encore des petits. Des endroits comme ça qui se remplissent d'eau. Mais on peut pas boire dedans. C'est bien dommage. De toute façon, je pourrais même pas boire puisque je n'ai pas. Je n'ai pas de. Pas de matériel pour boire dans l'eau directement. Encore. Oh, un satellite écrasé là. Je vais aller voir ce qui me propose quelque chose. Oh, il fait noir là. Oh, je crois pas que je puisse monter dessus. Hein. Oh là, on voit plus rien.
Je ne vois plus rien. Ah, peut-être là comme ça. Allez, monte. Est-ce que c'est gravissable ça? Ouais, on peut monter dessus, ça c'est bien ça. Ça sert pas à grand chose, mais bon, juste pour le fun. Oh, la planète. Wow, c'est beau ça. Très très beau. Planète qui... Ah, niveau d'oxygène bas, par contre. Est-ce que je peux construire dessus? Ça m'étonnerait. Ah. Niveau critique. Ah non, je vais pas mourir ici. Oula, oula, j'ai eu de la chance là. J'ai eu de la chance que je puisse construire dessus. Hein. J'ai pas pris de bouteille d'oxygène. Ah. Avant de sortir, si je retire la porte, ça me fait pas. Bon, oui, on peut monter dessus. Voilà, j'ai une belle petite vue, mais bon, je vais pas me risquer à aller plus loin. J'ai pas de bouteille d'oxygène. Ce que je voulais voir. Oula. C'est là. Pas risquer de tomber non plus. Alors, qu'est-ce qu'il m'offre ce satellite? Ben, s'il veut m'offrir quelque chose, ça tombe, y a rien du tout. C'est fort possible. Est-ce que ça se démonte, ça? Non. Ça ne se démonte pas. C'est juste un satellite écrasé. Et c'est tout. Ok. Alors, est-ce que je continue par là, peut-être? Ah, mais là-bas, ouais, peut-être là-bas. Bon, bah, je continue à explorer. Et puis, si je tombe sur quelque chose d'intéressant. Je ne manquerai pas de vous le montrer. Donc ici, ça doit... Ah, ça doit pas être loin de la cascade de sable. Ouais, voilà, ça c'est la cascade de sable où j'ai mon... Oula, il y a... Ah bah là-bas, il y a quelque chose. Je viens de voir un... Je viens de voir une structure. Ah, puis là, il y a un coffre. Ah bah, bien. Je ne vais même pas... tout de suite. Ah bah si tu as ça, bah ça c'est parfait. Nouveau message reçu. Ok. Donc je peux peut-être retirer un peu de tout ça là. J'ai 2, 3, et puis du moins que qu'il me reste un... de quoi faire ma petite maison. Oh, l'oxygène c'est terrible. Il faut vraiment que je... Regarde si je peux pas optimiser mes réserves d'oxygène là. Pour l'exploration, c'est un peu pénible. Hein. Donc ici un vaisseau. Donc c'est... C'est pas dur pour y revenir en fait, c'est tout droit. Faut que j'aille tout droit. Pratiquement. Pour rentrer dans... à ma base. Donc ce que je vais y faire, ah bah l'entrée est ici, c'est un vaisseau totalement écrasé en biais là. Est-ce que je peux mettre ça là? C'est dessus, voilà. Ce que je vais faire, un coffre, je peux faire un coffre? Non je peux pas, j'ai pas ce qu'il faut pour faire un coffre. Et encore un petit morceau de fer. Voilà, je vais pouvoir faire un autre coffre. Enfin, un coffre, pas un autre. Un coffre pour y déposer toutes mes ressources là. Je dépose. J'ai à manger un petit peu ici. Allez, je vais déjà voir ce qui s'y passe dans ce vaisseau. Première pièce.
pièce assez grande où il n'y a pas grand chose là. Ah, je peux monter là-dessus. Ça se déconstruit. Ok. Oh. D'accord. Petite réserve avec... petite réserve un peu cassée. Oula, pardon, j'ai eu un éternuement. Alors, des graines, du silicium, tout ça, bon, ça, ok. Je ferai le tri après. Ça a l'air d'être... pas très grand, mais là je peux pas aller là-bas derrière. Là. Peut-être que je monte là-dessus. Ah, ok, je viens de peut-être comprendre qu'il faut que je... Ah. Je monte là-dessus. Puis bah, je passe sur cette passerelle-là. Ah oui, d'accord. Donc là, faut pas... Ok, il faut avoir trouvé le chemin de sortie. Faut être sûr de pouvoir remonter là. C'est quoi ça? Ah mais il y a un coffre là-bas. Allez, laisse-moi rentrer dans... Ah, pas mal. Ça c'est bien ça. Vraiment bien. Bon, par contre, si je descends ici, est-ce que je peux remonter? Il y a un espèce de passage là, mais ce qui va me laisser ressortir, j'ai un doute. Je vais de toute façon vider ce que j'ai sur moi de l'uranium. Oh, nouveau plan reçu de Forest T4. Ça, c'est bien. Ça, ça, c'est bien. C'est vraiment très très bien, et ce qu'il faut pour la forêt T4, de l'osmium. Ah oui, il faut beaucoup d'osmium. Et beaucoup de super alliage. Ok. Ok, ok, bon je vais refaire un second coffre, hein, parce que là c'est vraiment... Full, je suis vraiment full au niveau de mon inventaire. Donc, je vais manger là. Je peux passer. Bon, là, c'est ok. Donc là, faut que je passe là. J'espère vraiment que je vais pouvoir remonter. Chose ici. Oh, ah oui. Coffre intéressant là. Ah ouais, bien. Ah, pas mal, hein. Pas mal, pas mal. Quelques petites choses intéressantes. C'est un vaisseau qui lui était transporteur de satellites, quoi. Donc là je peux remonter ici, je peux pas. Apparemment il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, oh. Chauffage T3. Ça c'est bien. Un chauffage T3 gratuit. Là il n'y a plus rien. Donc là je remonte ici. D'accord, bon c'est un espèce de
Le cargo, je sais pas où. Ouais, ou un morceau de vaisseau, une soute. Hein. Pas grand chose. Bah, du moins, ce que j'en vois là. Donc, alors je prends tout ça. Bon, ça, je prends bien sûr. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. L'aluminium. Je prends toutes les ressources qui me semblent les plus importantes à mes yeux. L'alu. Bah, l'iridium, bah voilà. Bah, il faudrait que je revienne chercher tout ça. Je vais garder quand même de quoi faire une maison sur moi là. 3, 2, il me manque un morceau de. Ça, le soufre, c'est pas méchant ça. 3. Je vais pas avoir assez pour. 3, 2 et un silicium. Parfait. Voilà, là j'ai deux uraniums. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre à la place de l'uranium? Ah, je vais prendre de l'uranium. L'uranium à la place de l'iridium. Bah voilà. Je reviendrai. Oh bah il y avait un coffre ici aussi, quoi, je l'avais pas vu. Donc là, tout droit par là, parce que j'ai même plus de quoi manger, donc je vais pas m'aventurer plus loin. Là, je vais reprendre la cascade de sable. Puis suivre le vent, bah la tempête de sable là. Il suffit de suivre ça. Il va m'emmener directement à la cascade de sable. Directement ici, je descends dans ce brouillard de sable. Vous auriez une hydratation critique. Oui. Je vais voir tout de suite. Ce lieu est toujours très sympa, vraiment très sympa. Oh, il y a un coffre là-bas. D'accord. Je passerai voir ce qu'il y a dans ce coffre à mon retour pour aller chercher le reste des ressources. Je vais en profiter pour passer sur ma foreuse ici. La foreuse de soufre. Si je peux faire un peu de tri. Bon, avec mon inventaire complètement plein, ça va être un peu embêtant. Mais est-ce que. Ouais, enfin, je repasse aussi ici pour faire le tri. Donc là, la foreuse au-dessus. C'est bien, qui est débloqué. Il faut que je regarde si j'ai assez d'osmium. Oh, niveau d'oxygène bas, oui. Est-ce que je vais avoir suffisamment de temps? Ouais, non, je vais pas avoir le temps pour aller à ma petite habitation qui est un peu plus bas. Je ne prends pas de risque. Est-ce que j'aimerais bien pouvoir poser cette foreuse T4, hein. T3 ou T4? T4, oui, c'est T4. Par contre, c'est pareil, le super alliage. Ça travaille bien, oui, ça va, ça va. Ça va, les foreuses d'iridium, ça peut aller. Travaille bien. Comme dans la zone aluminium où j'ai que deux alus pour tout un coffre quoi. C'est vraiment pas beaucoup. On voit les étendues d'eau qui prennent place hein, là.
Et donc j'ai commencé à construire un peu en hauteur. Je vais vous montrer ce que j'ai mis en place. Alors, les barres d'iridium. Barres d'iridium. L'alu. L'uranium, oui, j'aurais pu le poser aussi, l'uranium. Et là, ah oui, j'ai un engrais, ça c'est pas mal. Bah, ça va me servir justement l'engrais. Ça va me servir. Et donc, ce que j'ai établi, c'est que ici, et bien ici c'était la pièce, le labo que je n'avais pas encore fait et que je pouvais faire pour faire mes engrais. C'était dans cette pièce-là que je pouvais faire mes engrais, mes poudres explosives. Et la poudre explosive qui servait pour quel craft, je ne sais plus quel craft. Ah oui, pour le réacteur nucléaire T2. Réacteur nucléaire T2. On le voit pas. Et qui est là ici, ouais. Il est là sur sa. Sur une petite plateforme, j'ai fait un réacteur T2. Bon, qui amène beaucoup plus de. L'électricité. Donc là je suis à 286. C'est un réacteur qui amène 300 et quelque chose, je crois. Bon, comme j'ai déjà posé deux, trois petites choses, ça va vite à user l'énergie. Donc oui. Donc j'ai posé ce. C'est comment il s'appelle déjà? C'est la BioLab, c'est ça? BioLab, voilà le BioLab. Donc c'est vrai qu'il faudrait que je. Donc là j'ai fait des petits coffres où je mets les algues, l'engrais. Bah voilà l'engrais. Et puis ici le soufre que je récolte aussi. Bon, j'ai un coffre aussi en bas. Ah, j'oublie. J'oublie de. Et ici voilà. Ici j'ai fait une pièce pour faire. Commencer à faire une pièce de récolte des diverses légumes. D'ailleurs, il faudrait que je me fasse un coffre pour les légumes. Je vais mettre ça où? Engrais, soufre. Je vais le mettre là. Ça, je vais mettre aubergine. Ça, c'est bien les aubergines. Aubergines, voilà. Les aubergines qui seront ici afin de me faire des différents engrais. Donc là, je suis au niveau des lacs, bah forcément. Vous avez pu le voir, les lacs sont bien mis en place, donc je suis au stade de la mousse à 10%. Et la terraformation qui monte pas mal, hein, qui monte vraiment bien. Et donc les foreuses T4. Est-ce que déjà cet osmium, mon osmium, il faut 3, 6 os. Ah bah. Ben, let's go pour. Ah oui, j'ai peut-être pas suffisamment super alliage aussi, non? Ah oui. Donc, il faudrait que je crafte du super alliage. Super alliage, ben, il me faut un. Un métal, un. Ben, un élément de chaque. Ok. Bon, ben. Allez. Parce que les. Et ça consomme quoi? On est les ça 45. Bon, ça va encore. Bon bah je vais prendre un élément de chaque et puis faire maximum. Donc là je pourrais faire 3 magnésium. Ah, le magnésium, bah, je suis. Ça fait 3 silicium. Bon, je vais prendre 2 de chaque à chaque fois parce que là. 2, ouais.
Parce que je vais pas avoir assez. Et de deux. De fer. Voilà, je suis en magnésium, j'en ai plein là. Bon, tant pis, je vais le poser par terre. De silicium. Deux aluminium. De silicium, c'est bon. De titane, c'est ok. De cobalt. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et il me manque quoi? Qu'est-ce que j'oublie? Cobalt, fer, magnésium, silicium, titane, aluminium. Mais non, c'est bon. Voilà, 2. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, j'en ai assez. Osmium. Je vais pouvoir poser une foreuse. Bon, alors les foreuses, les grosses foreuses, je vais pas les mettre là-bas. Je vais les mettre ici, peut-être. Hein. Alors, ah ouais, c'est costaud. Hein. C'est costaud. Je vais mettre ça là. Voilà. Donc ici, donc c'est ma... Si je mettrais ma production d'électricité, hein, ici. 331 kilowatts. Donc voilà ma petite construction qui s'établit en hauteur, hein, tout doucement. Ça, c'est le magnésium. Est-ce que je fais pas un autre coffre de magnésium? Je ne sais pas. Hydratation bas. Bon, je vais prendre et rechercher l'eau. C'était quoi? Ah, c'était que 3, d'accord. 3 osmium, d'accord. J'avais confondu. J'avais pris. Donc, à la rigueur, je pourrais en remettre une de foreuse. Hein. Je pourrais remettre une foreuse. Faudrait que je me refasse des. Des super alliages et c'est bon quoi. J'ai largement ce qu'il faut pour. Ah, pas le soufre, le cobalt. 2, 4. Bah voilà, c'est bon, hein. Je pourrais. Je pourrais pas en prendre, j'ai pas assez de place sur moi. J'ai vidé toute l'eau. Les graines, ça c'est pareil, faudrait que je les. Que je les mette dans un coffre à l'étage. Dans la pièce dédiée. Je vais continuer à faire ça et reposer une autre foreuse. Je pourrais en prendre 3 là, 3 de chaque là, 4 non? Peut-être faire tout d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Ma faim. Ordre 3. Je vais réorganiser ça. Là j'en ai 4. Bon, c'est pas grave. 4. 4. 4. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qui me manque là? Le magnésium. Le magnésium. Voilà. Je pourrais refaire. Bon là faut rester appuyé sur CTRL comme ça.
je ne sors pas de mon inventaire. Il me manque du cobalt. Quatre, cinq, donc alu, fer, silicium, c'est bon. Trois, voilà, c'est ok. J'aurais pu prendre l'osmium, faire des allers-retours là comme ça, et je vais reposer. Niveau électrique, est-ce que je vais être encore bien? Normalement, oui. Hein. 240, ouais, largement. Ça passe. Bon, bah voilà. Hein. Ça, ça va être pas mal. Allez. Ah, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi je peux pas la mettre Voilà. Allez, ça sera la petite miniature foreuse. Petite miniature pour YouTube. Pourquoi il a pas voulu tout me prendre d'un coup? Ça. Allez, je... Si j'appuie pas pour prendre tout d'un coup, ça ne va pas le faire. Alors 13% au niveau de la mousse. C'est parfait. Donc là, augmentation. C'est vrai que le sac T5, qu'est-ce qu'il me faut pour faire ça? Non, c'est là. Hein. C'est dans le... Pareil, le jetpack, faudrait que je m'y attelle aussi. Donc 3. 3 super alliages et un titane. Ok, bon, c'est pas excessivement cher, ça. On va dire. Je pourrais me fabriquer ça. Il faut que j'aille rechercher de l'alu. Pour fabriquer ça. Après, au niveau des autres fabrications. Le biodôme, hein, faut que je me penche sur le biodôme aussi. Oh, nouveau plan reçu, optimisateur. Optimisateur. Optimisateur, c'est quoi ça? Trouver des fusibles. Ah d'accord, ok, donc déjà faut trouver des fusibles. Puis après il faut de la poudre explosive, barre d'uranium, ok. Ça optimise les performances des machines, d'accord. Pas mal. Ça c'est bien. Donc faut faire de l'explo pour trouver des fusibles. Ok. Et donc ouais, pour faire le biodôme. Qu'est-ce qu'il me faut pour faire des... Pourquoi pour ça? Ouais, des échantillons de bactéries. Il me faut des algues simplement. Que je vais d'ailleurs récolter. Des algues. Puis après il me faudra du super alliage aussi, d'accord. Donc ouais, là c'est tout est lié. Beaucoup de choses sont liées au super alliage. Hein. Donc les algues, j'avais reposé des récolteurs d'algues ici. Voilà. Quelques petites algues. Pas tant que ça là. Bon, je sais peut-être pas au maximum de sa production là, je sais pas. Non, par là. Je réorganiserai aussi le rez-de-chaussée. Je pense, je sais même pas si je vais laisser des choses en bas. J'ai une peur en fait que le niveau d'eau monte à ce niveau là. On voit les rochers ici. Qui ont apparemment été corrodés. Alors est-ce qu'ils auraient pas été corrodés par de l'eau qu'il y aurait eu sur la planète il y a bien longtemps?
Peut-être. Ah tiens, ça me fait penser, oui, j'ai reçu un message, il me semble. Message de Rayleigh. Utiliser des extracteurs de minerais à divers endroits pour extraire des matériaux bien spécifiques, oui. Ça, on l'avait un peu remarqué. Les fusées sont vraiment cruciales. Et elles aident à booster votre génération de... D'accord, voilà, tout est crypté après. Ok. D'ailleurs, vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres... Non, je crois pas qu'il n'y ait pas eu d'autres plans de fusées, non. Je ne crois pas. Alors... Je crois que je fasse ça, la fusée GPS aussi. Enfin, je fasse tout ça. Ça que j'augmente, ouais. Je refasse des fusées classiques, mais bon. Ou je fasse des réacteurs, et les réacteurs, c'est pas donné. Réacteur, c'est bah, du super alliage, donc il va falloir que je farme beaucoup pour avoir beaucoup de ressources. Pour faire du super alliage hein. Parce que là pour l'instant je n'ai pas suffisamment de ressources pour en fabriquer à la chaîne quoi. Et bien voilà, ça aurait été bah, un petit moment bien productif parce que là le deux foreuses T4 donc ça c'est vraiment pas mal quoi. Deux foreuses. Bon là j'ai maintenant une production en énergie qui est un peu supérieure. Donc ça c'est vraiment bien aussi. Puis bah après... J'ai pas regardé où est les foreuses T2. Je sais pas s'ils arrivent bientôt ou pas. Les foreuses T2, 360. Ouais faut que je remette... Faut que je mette des foreuses T4 hein, pour mettre la pression parce que là... pression elle monte pas ça monte hein. Ce chiffre là faut qu'il monte vraiment plus quoi, vraiment plus, faut qu'on le voit monter à vue d'œil. N'est pas le cas là, faut vraiment que je fasse ça. Et bien viens, voilà bah, je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Je suis content de ma petite exploration et puis de... Bah d'avoir pu poser enfin les Forest T2. Ça c'est vraiment sympa, j'aime bien me faire progresser. Et ben moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Un petit commentaire, c'est toujours sympa de vous lire. Et ça fait extrêmement plaisir. Et donc, à plus !